Mélissa Bédard, vous êtes entrée dans le cœur des Québécois il y a 10 ans avec la finale de Star Academy. Ça va faire 10 ans. En rétrospective, cette aventure-là, est-ce que c'était comme gagner à la loterie? Oh mon Dieu, c'était comme... C'était vraiment un rêve de jeunesse, là, tu sais, parce que moi, j'ai écouté toutes les éditions de Star Academy. Puis mon père s'en rappelle encore que je lui disais, hey, moi, un jour, je vais faire Star Academy. Puis, ben oui, oui, fille, c'est ça. Puis, écoute, c'est le début, c'était mon école. Moi, j'ai pas suivi de cours de chant ou autre. J'ai rencontré plein de personnalités. J'ai vraiment appris l'assiduité à Star Academy. Pour moi, c'était mon école. C'était vraiment une école. Votre histoire, on la connaît. Vous êtes né en Haïti, vous êtes arrivé au Québec un an plus tard, grosso modo. Et puis, c'est un peu le décès de votre mère adoptive. Vous aviez 10 ans, qui vous a vraiment poussé à faire de la musique. Est-ce que pour vous, la musique, c'est un symbole de résilience? Bien, en tout cas, du plus tôt que je me souviens, moi, je voulais être une danseuse derrière Britney Spears. OK. Donc là, encore là, il y avait de la musique, mais c'était pas concret là, que j'avais une voix. Mes parents, ma famille me disent que je chantais tout le temps. Mais pour moi, c'est vraiment venu après le décès et même encore plus loin au secondaire avec la chorale de l'école que là, je me suis dit, OK, j'ai peut-être quelque chose. Les professeurs m'ont entendu puis m'ont dit, ouais, elle a une voix, tu pourrais faire quelque chose de positif avec ça. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Alléluia, alléluia. Ça fait tellement longtemps que je voulais vous rencontrer parce que tout le monde me dit « Ah, tu vas voir Mélissa Bédard, extraordinaire, toujours de bonne humeur, toujours gentille, super généreuse. Il vient d'où ce rayon de soleil-là? Pourquoi vous êtes comme ça? » Est-ce que... Ah, bien ça, c'est une bonne question, puis je sais y répondre. C'est que je sais... Ben, en tout cas, j'étais adoptée, fait que je le sais que j'aurais pu ne pas avoir tout ça. Je pense vraiment que ça vient du fait que je me remets toujours en tête. Je suis une fille très terre-à-terre qui se rappelle que OK, tu aurais pu être en Haïti, dans la misère, mais là, tu as été adopté. On t'a donné une voix en plus de ça qui permet que tu peux aider les autres, peut-être mettre en lumière d'autres mondes avec d'autres projets. C'est ce qui me pousse à choisir des projets aussi qui font du bien, qui aident les gens, le partage, tout ça. Mélissa Bédard, vous êtes mère de trois filles, belle-mère de trois garçons. On peut vous voir dans l'émission Ma première maison. Oui. Comment faites-vous la conciliation travail-famille? Une artiste, c'est un travail à temps plein déjà, là. Vraiment, c'est vraiment à temps plein. Puis, encore là, dans les malheurs, là, tu sais, avec la COVID qui était négative, on a créé du beau. Carl, mon mari, est devenu papa à la maison. Fait que ça fait en sorte que je peux faire les contrats que je veux, dire oui plus souvent, sans me casser la tête, sans m'inquiéter de mes enfants. Je sais qu'ils sont en de bonnes mains avec papa. Puis pour eux autres, c'est moins déstabilisant aussi que de voir toujours les deux parents partir le matin, travailler, puis maman ne revient pas le soir. Je suis beau! Je suis beau. Je m'aime! Je m'aime. Je veux parler de grossophobie. Oui? Parce que vous avez abordé ce thème-là vraiment sensible dans la belle série « Je t'aime gros ». Oui. Série essentielle que vous co-animez avec Christine Morancy. À l'ère des réseaux sociaux, ça peut devenir compliqué parce que là, il y a même des gens qui vous espionnent et qui surveillent votre poids en ligne. Non, mais c'est vrai. Oh mon Dieu! Mais oh oui, ça a fait toute une saga, ça, pour un beau veston puis un beau pantalon. Oui. Finalement, on l'a vendu beaucoup plus, ce veston-là. Mais comment vous vivez ça? Mais c'est que je me suis rendu compte que peu importe qu'on soit gros, qu'on soit mince, qu'on soit... peu importe la différence, on va toujours se comparer. Fait que je me donne commission d'en parler, d'en montrer. Moi, c'est pas rare là, qu'on va me voir dans les centres d'achat, pas maquillée, là, avec la perruque un peu croche. C'est moi dans la vie. Allô, mon amour! Fabiola, dans M'entends-tu? Quelle série extraordinaire. Il y a eu 3 saisons de ça. Comment ça a changé aussi votre carrière, ce rôle-là? Parce que là, on a vu la Mélissa Bédard interprète, mais là, vraiment, comédienne. Et comment on devient comédienne du jour au lendemain? C'est un... Moi, j'ai toujours qu'un avant et un après. M'entends-tu? Je suis tombée en amour avec la Fabiola parce que j'avais l'impression que la Mélissa, c'est vrai que c'est la Mélissa un peu plus parfaite. T'sais, elle veut pas dépasser ses bords. Elle veut bien faire pour arriver à devenir quelqu'un dans le moule. Fabiola me permettait de retrouver la Mélissa, jeune maman d'un enfant qui l'a pas eu facile, qui a rushé pour y arriver. Ça l'a fait sortir mon naturel, tout simplement. Puis la série a tellement marché. Puis après ça, je me suis dit, je peux pas remettre un masque puis faire semblant que ma vie a toujours été parfaite. Puis d'un autre côté, ma vie imparfaite fait en sorte que ma vie imparfaite qui est maintenant, pas parfaite, mais qui est maintenant bien, va inspirer d'autres gens
qui ont une vie pour eux, à leurs yeux, pas parfaite, à devenir plus. Mélissa Bédard, quelle entrevue. Merci beaucoup. Merci.